Le centre d'instruction de la 2e division du Canada forme et prépare les prochains soldats d'infanterie. 13 semaines d'entraînement qui feront d'eux des guerriers. Déployés partout dans le monde pour mener des opérations armées, les soldats d'infanterie œuvrent dans tous les milieux et dans des conditions plus que difficiles. Ils sont les premiers sur la ligne de front. Leur mission, approcher et combattre l'ennemi au risque de leur vie. C'est aujourd'hui qu'un nouveau peloton d'aspirants fantassins fait son entrée sur la base des forces canadiennes de Valcartier. Ils s'apprêtent à débuter la formation qui leur permettra de devenir, à leur tour, des soldats d'infanterie. Le PP1 Fantassin est l'un des cours les plus difficiles et exigeants des Forces armées canadiennes. C'est une grande étape dans leur vie, surtout ce cours-ci. Ça va leur montrer beaucoup qui qu'ils sont, s'ils sont faits pour ce métier-là. Parce qu'il y en a qui vont se rendre compte sûrement au courant des semaines à venir que c'est pas leur domaine. Je m'appelle Mathieu Duguay, je viens de Portneuf, puis j'ai 21 ans, puis je me suis enrôlé comme fantassin. Je me suis enrôlé dans les Forces armées canadiennes parce que je trouvais que c'était un métier qui est extraordinaire. J'étais allé faire ce que j'ai toujours voulu faire, c'était devenir un militaire, puis vivre des expériences justement comme ça, qui étaient hors de l'ordinaire, vivre l'aventure, puis avoir un emploi en même temps qui est vraiment stable. Loin, il est pas là encore. C'est quand même le temps qui arrive. Non, ça va commencer mal en crise. Hey! Oh, mais... Je suis le dernier. Vous savez que je suis tout le temps prêt? Bon, je m'appelle Jonathan Poulain. J'ai 36 ans. Je viens de Princeville. Bon, je me suis enrôlé dans les Forces armées canadiennes pour le défi. C'est beaucoup de dépassement de soi-même. Dans le cours, il y a beaucoup de blessures qui se passent. C'est peut-être ça un peu qui me stresse aussi. Il n'y a rien qui va me faire lâcher ça à ce cours-là. Je suis plus vieux ici. Puis de pas mal, je pense. Là où je pense qu'il n'y a pas d'importance. C'est du cœur, ça prend. Il y en a des jeunes qui n'en auront pas de cœur. Moi, j'en ai du cœur. Même si j'ai 36 ans. Là. Tout juste arrivé, les candidats sont attendus pour une première rencontre avec le commandant du centre d'instruction. La discipline sera de mise s'ils veulent faire bonne impression. D'après moi, ça va être comme la bienvenue. Là. Ça va être pas mal le début du cours. C'est là qu'ils vont commencer. C'est là qu'ils vont nous expliquer ce qu'on va faire dans la soirée. Commence bientôt. Je suis quand même nerveux parce que je sais pas à quoi m'attendre pendant tout. Bon, let's go. Depuis le début même du QMB, qu'on parle du PP1 un temps, genre, la phase est vraiment qu'on se fait ramasser. Bonjour. Monsieur. Topeau. Bienvenue au centre d'instruction de la 2e division du Canada. Sur votre cours de base d'infanterie, le PP1 Fantassin, le cours que vous entreprenez, c'est un cours qui est excessivement difficile. Vous n'allez pas tous réussir. Par cours, par peloton, il y en a probablement au moins une dizaine qui vont partir. Malgré les côtés difficiles, appréciez tout ce que vous allez faire ici, parce que ça passe une fois. Votre expérience qui va rester ici, ça va vous suivre tout le long de votre carrière. Peloton, garde à vous! Hey, Seigneur, comment c'est ça? Si, faites-moi garde à vous qui a de l'allure. Général. Peloton, garde à vous! C'est-tu que ça chie ton affaire? Je suis Capral Joannis. Je suis instructeur au centre d'instruction de Valcartier pour le PP1 1606. Bonjour à tous. C'est aujourd'hui que votre PP1 va commencer. Vous êtes tous stressés? Que j'aime ça. PP1, 1606, en place repos! Soldat Archambault! Camarade! Soldat Bradette! Camarade! Nous autres, on va être assez stricts. On va leur forger un caractère. Tout ça en vue. Qu'on soit collègue de travail, qu'on soit capable de se backer puis qu'on ait confiance en lui. Pas qu'on arrive sur un chantier live puis qu'on a peur qu'il nous tire dans le dos ou quoi que ce soit. Là. Soldat Sans Souci! Camarade! Mon nom, c'est Jean-Bernard Sans Souci. J'ai 20 ans. Je viens de Sherbrooke. J'ai toujours dit depuis que je suis jeune que je voulais jamais avoir une job derrière un bureau. Ça, c'était inévitable. Jamais j'allais faire ça. J'ai toujours fait beaucoup de sport. J'ai joué au rugby très longtemps. J'ai joué dans l'équipe du Québec. J'ai joué dans l'équipe du Canada. Plus sportif qu'intellectuel, disons. Ça doit Wallet Léger! Come on! Donc, le but ici, là, c'est vraiment de faire travailler en équipe. Parce que ces gens-là, c'est pas juste des candidats, ça va devenir des collègues de travail plus tard. Ça va être du monde avec qui on va aller au combat ensemble. On doit être prêt. Puis c'est ici que ça commence. Ouais, félicitations, tout le monde est là. Commencez à faire vos affaires, placez vos stocks. Je vais revenir avec l'information à savoir pour l'inspection, puis tout ça pour demain. Platon, garde-le! Bouh! Platon, à votre touche. Rends! Bye!
Je m'attendais à de quoi de pire, là, comme en deux rangs dehors, en train de faire des push-ups dans la boîte, mais bon, tant mieux. Moi, je m'appelle Marc-Alexandre Ouellette-Léger. J'ai 17 ans, puis je suis natif de Québec. Depuis que je joue avec des bonhommes, que je veux aller dans les forces canadiennes, puis j'ai vu mon père aussi œuvrer là-dedans, puis ça m'a beaucoup intéressé. J'ai jamais eu une autre option dans ma tête que l'armée. C'est que ça. La petite étincelle en dedans de toi, là, il y a juste l'armée qui me la donne, celle-là. J'ai tout ça ici, tout est là-dedans. Petite poche de Patrol Pack. Je suis un jeune homme organisé, puis décidé. Je sais ce que je veux. Je suis en train d'aider du gars à faire ses bottes. Je suis préparé pour l'inspection. Mon père, il connaît ça, faire des bottes. Ouais, je me débrouille pas pire. Hein. Mon nom, c'est Luis Felipe Lopez. J'ai 22 ans, je viens de Québec. Pour moi, c'était un défi personnel là, de rentrer dans l'armée. Puis c'est sûr que ça n'a pas été facile côté familial. Je peux pas dire que mes parents en particulier étaient très heureux de la nouvelle. C'est pas que je me fous de l'opinion de ma famille, mais je me dis à un moment donné, il faut que je fasse mes choix en fonction de ce que moi, je veux faire. Je suis très seul, là. Je sais pas trop à quoi s'attendre. QMB, je savais à quoi m'attendre, mais ça, c'est un autre game. J'ai pas peur. J'ai pas peur. Je suis juste stressé pour savoir qu'est-ce qui se passe pour la suite. Le cours est officiellement commencé. C'est aujourd'hui que les futurs fantassins rencontrent l'adjudant Goulet, un des hommes aux commandes de leur formation. Soldat Archambault, 991, 2039-69, prêt pour vos instructions, adjudant. Ça va, Archambault, allez vous asseoir. Je suis l'adjudant Danny Goulet. Je suis présentement l'adjoint du cours du cours d'infanterie PP1-1606. Tout au long du cours, les instructeurs testeront les limites physiques et mentales de chacun des membres du peloton. Leur but, préparer les fantassins en devenir à combattre en terres ennemies. Ils savent pas dans quoi ils s'embarquent pour l'instant, pas du tout. S'ils veulent faire partie de l'infanterie, il y a une norme à atteindre. On va en perdre sûrement quelques-uns, puis à la fin, on va graduer le trois quarts du groupe, certains. C'est clair pour tout le monde? Oui, adjudant! Vous allez me reprendre, ça. Let's go! Oui, adjudant! Enfin, ça commence à rentrer. Je veux pas en bas de ça à l'avenir. C'est clair? Oui, adjudant! Yes, sir! Vous avez 5 minutes de descendre en bas pour aller passer en deux rangs. Ça marche? Oui, adjudant! Systématiquement, dès qu'ils rentrent et qu'ils sortent du bâtiment, ils doivent faire 10 push-ups, faire 10 chin-ups ou pull-ups. Puis après ça, ils peuvent aller se présenter en rang à leur commande section. Là, c'est une procédure normale là, qui s'est créée au fil des années pour la forme physique. OK, ce matin, j'ai donné des instructions très claires concernant les chin-ups et les push-ups. C'était quoi? C'était on les fait, puis si quelqu'un a de la misère, on l'aide, Cabra Chef. Il y a du monde qui ont de la misère, qui les font à moitié. Ne travaillez pas en binôme. Vous allez travailler en équipe. Fait que let's go, tout le monde. Oui, mon chef. Nous, on va les refaire. Est-ce que les instructions sont claires maintenant? Oui, camarade chef. Est-ce que ça va se refaire? Non, camarade chef. Ça va aller rentrer dans les rangs. Oui, camarade chef. Cours PP1-1606 en deux. À droite, tout! Nez! Les soldats recevront leur première arme. Leur principal outil de travail. En tant que fantassins, ils devront apprendre à en manier plusieurs. Aujourd'hui, ils se voient remettre la mitrailleuse C9. On s'en va faire le cours sur la C9, apprendre tout ça, puis savoir où est-ce qu'on s'en va avec ça. Cliquez sur le C9, mettez-le au sol, à terre. Enlevez votre manteau, dériguez-vous, asseyez-vous sur votre chaise. Je vais demander d'être très, très, très attentif. Les leçons d'armes, c'est rigide, ça commence de façon structurelle. Il y a une façon là, de procéder avec la manipulation des armes. Chaque commandant de section va travailler avec ses sections. C'est sûr que c'est la première journée, on a déjà nos armes. On embarque dans le moule, là, c'est la réalité. Je pense que ça me fait bien une C9. À partir de maintenant, c'est lancé, puis ils sont avec nous autres soir et matin. Là. Les soldats du cours d'infanterie n'ont aucun répit. À peine sortis de leur cours d'armes, ils sont convoqués à l'extérieur pour une première marche. Chacun portera une charge de 55 livres. Un défi de taille pour le soldat Baudouin. Je suis pas très grand, je suis pas très lourd, fait que ça va être rough, mais on y va peu par peu, puis si je vais me remettre en forme au fur et à mesure, puis ça va commencer à rentrer dedans. Là. Mettez dans votre rucksack! Fin de bloc! Combat haut et bas! Parka haut et bas! Deux fers de bas! Deux T-shirts,
Mettez votre rucksack, on s'en fait une belle marche. C'est un petit 2,4 km. Juste pour voir un peu dans l'état qu'ils sont, marcher. Ah ouais, c'est gros, vache. C'est parti. On s'est mis le rucksack sur le dos, il n'y avait rien de seté, c'était tout croche. Fail, votre affaire, Chambaud, hein, c'est long, hein? C'est long, Adjan. C'est plate quand vos chums vous chient des mains, hein? Ça fait la même affaire que vous me chient des mains, vous comprenez? Oui, Adjan. Let's go romper et allez-vous à votre place. Oui, Adjan. L'ennemi ne nous appellera pas toujours avant, petit faire part, vous allez, on s'en vient, by the way, préparez-vous. Ça arrivera pas! Oubliez ça! Vous êtes à l'infanterie, ben faut être prêt! C'est clair? Oui, Adjan! Let's go! À gauche, tournez! Let's go, on marche! C'est parti! Stay collé! Je suis content d'être marqueur, c'est une belle responsabilité. C'est moi qui arrête la circulation avec mon mon frère. Let's go, boys! On reste collé! Ah oh ouais, j'ai payé. Let's go! Mon collègue de veste balistique était mal placé vu que ça me serrait à la gorge. J'avais la misère à respirer, puis mais je l'ai fini pareil. Là, prochaine fois, je vais mieux riguer mes affaires, puis je vais faire attention à ça. Ouais. La sling l'étranglait un peu, là. T'es rendu mauve à la fin. Il est tombé dans le banc de neige, puis ça reprend en main. Let's go! Pas capable! Ça, c'est un asti de mort que je veux pas entendre! Pas capable! Premier 24 heures, faut bien qu'il nous saisisse un peu. Je me disais, il faut quand même assez craquer comme instructeur, tu sais. Ça motive, par exemple, d'avoir du monde de même, tu sais. Hey, j'ai deux mots pour vous autres, résilience puis orgueil. Puis à date, vous en avez pas pantoute. Deux derniers levés. Vous allez monter en haut. Dans 15 minutes, je veux dans le passage former les quatre à côté de vos chambres comme d'habitude. Tu clair? Oui, c'est ça! C'est parti. Go! 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 Marche de santé. Je pense que ils ont pas la même opinion que moi, c'est marche de santé. Vraiment, ils ont trouvé ça plus raide un peu. Au bout de la ligne, il va falloir qu'ils fassent un 13 km. On a fait 2,4 puis la moitié de Ramois s'en vient de 2 mètres. Donc, la dure réalité de l'infanterie vient les frapper un peu. On commence très mollo en plus. Faut que ça soit dur, en fait, parce que si c'est facile, ça... je pense que ça n'a pas la même valeur. Là, c'était une petite marche. Vous savez qu'au bout de la ligne, il va falloir marcher 13 km. Là. Ça va donner un coup. Là. Ceux qui sont pas prêts, là. Commencez à y voir, ben, vous pratiquez, ben, trouver des moyens. Ce soir, ce qu'ils vont apprendre, c'est le standard qu'ils vont établir pour leur inspection de demain matin. On va tout leur montrer ça. Les toits ici de section sont là pour leur montrer ça. Ils vont commencer avec ça. Ils vont travailler là-dessus toute la soirée. J'y donne 2 minutes, vous allez faire ce standard-là. Sur votre lit. Parfait, Gabon Chef. Ouais, ça va être faut reculer un petit peu à la lunette. Les chargeurs là, sont tous alignés de même. Vous allez travailler sur votre standard jusqu'à demain matin, on va se revoir à l'inspection. Let's go! Let's go, 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 go! C'est la nouvelle arme qu'on a eue aujourd'hui. J'ai surtout hâte d'aller en tirer, là, voir c'est quoi le feeling. Mais peut-être la job là, un petit peu moins le fun après, ça va être de nettoyer toute la crasse qu'il y a là-dedans. Là. Mais bon, ça fait partie des étapes. Là. Oui, il y a des petites pièces un peu partout. T'sais. C'est gros, mais ça a l'air à bien se nettoyer. Tu confies pas ça à n'importe qui. Là. T'as plus l'impression d'être Rambo que de ça dans les mains. OK, fait que levé 5 heures. À 5h20, il faut être formé en bas. Après ça, c'est 7h25 inspection. Vous savez tout ce que vous avez à faire. L'inspection de demain, je pense qu'ils vont vraiment focusser sur ce qui est les armes, nos drills, peut-être connaître le numéro de série de notre arme qui est bien entretenue, bien huilée, puis qui a pas de rouille nulle part. On n'a pas eu de layout encore pour qu'il y ait ses chemises. Fait que, t'sais, on stresse pas à faire nos chemises, faire nos bottes. On prend peut-être un peu plus notre temps. Peut-être qu'on en prend trop. Je sais pas. À peine levés, les candidats d'infanterie se préparent pour un entraînement matinal qui permettra aux instructeurs d'évaluer leur forme physique. Et à peu près 5 heures moins 5, ça va faire un 2,4 km. On va se réveiller tranquillement. Il me semble comme une maladie le matin. J'ai hâte d'aller courir, là, qu'on fasse la course, ça va me réveiller un petit peu plus. J'ai l'impression d'être. Encore. Premier PT qu'on fait, comme sur n'importe quel cours, on va évaluer leur forme physique. À matin, ce qu'on va évaluer, c'est leur capacité pour courir.
Ça devrait bien aller. Ils ont fait ces gens sont en forme. Le but, c'est de voir où est-ce que vous en êtes en ce moment puis votre amélioration à travers le cours. 3, 2, 1, partez! Ouais, ça commence bien une journée, ça réveille bien. Ça fait du bien. Okay. 10-26, 10-27. J'ai suivi Tremblay-Fontaine, ça a bien été. J'ai travaillé à mettre mon cardio pas mal. Quand j'ai raté ça, j'ai rentré un 2.4 plic en 12-36. C'est pas super, mais ça s'est amélioré. Ah, ça a bien été, je suis quand même content des timings. Je trouve ça a bien été pour le premier PT. Là, jusqu'à 6h10 pour être formé en deux rangs en FFO. On s'en va manger après. Vu? Vu! 7 minutes pour se mettre en FFO. Let's go, formez-vous l'autre bord. T'es pas capable de respecter le timing? Tous ceux qui sont prêts, on va attendre pis ça pour le shop jusqu'à temps que tout le peloton soit là. Dérange pas, moi, vous jouez sur votre temps de manger. Ah ouais, Seigneur, fais bouger ta gang! Let's go, tout le monde de goutte. Pepper, 16-06! À droite, tour! Nay! Gauche! 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 Droite! Gauche! Les soldats accumulent beaucoup de retard sur l'horaire. Il leur reste peu de temps pour déjeuner et pour se préparer avant la première inspection. Au QMB, ils nous ont appris que le timing est important, mais ici, d'après moi, c'est encore plus important. Et puis peut-être même plus impossible encore ici. On leur donne un timing serré. Et ils se doivent de le respecter parce qu'un jour, ça va leur arriver et ça va être en situation réelle. Ils vont devoir le respecter. Là. Ça sera pas juste l'adjudant qui veut un timing. Ça va être une force ennemie qui tente une manœuvre. On va devoir répliquer d'un court laps de temps, mais ils nous avertiront pas. Hey! Away au pied du lit! Let's go! Shit! Pensez que c'est une joke, c'est... C'est de l'infanterie, c'est important que ça reste à un niveau d'intensité élevé. Si je m'adresse au groupe, c'est sûr que je vais lever le ton, je vais crier pour être sûr et certain que tout le monde m'entend. J'ai pas l'intention d'être leur chum de tout le long du cours. Fait que comme ça, hier, quand ça revient de faire sa petite marche, au lieu de travailler son équipement, ça prend sa douche, ça change puis ça relaxe. Demi-tour, tout! Nez! C'est qui vous a aidé à travailler sur votre C9 aujourd'hui? C'est moi qui ai branché. Vous avez travaillé tout seul dessus? Oui, branché. Est-ce que j'ai précisé hier, durant mes leçons, qu'une C9, c'est une arme de section? Oui, Gavache. On apprend ça dans l'infanterie, travailler individuellement? Non, Gavache. T'as-tu frotté ton sling hier? Non, Gavache. Demi-tour, tout! Nez! Soldat, Wallet léger, c'est 3-2. Prépare d'inspection, Gavache. Soldat, Wallet léger, demi-tour, tout! Nez! Comment tu de ta ça? Fini par 2-2-6-7, Gavache, j'ai pas retenu au complet. Matricule de ton gun, ça l'a pas de main? 8-9 alpha alpha 10783. Je suppose d'avoir de la difficulté à trouver de la crasse, puis j'en ai trouvé dès que j'y ai touché. J'ai les mains sales. Fait que ça de l'évêque. Jusqu'à présent, les deux morceaux de votre C9 que j'ai touché sont propres. Il va falloir que vous travaillez avec votre équipe, puis que le reste de l'équipe soit à votre niveau de standard. Oui, Capra Chef. Vous avez fait quoi exactement, ça, C9? J'ai nettoyé l'intérieur, Capra Chef. C'est se trouver quoi qu'il y a là-dedans? Il y a du carbone qui est pas le chef. Fait que c'est pas propre. Ici, là, c'est orange. Qu'est-ce que ça veut dire quand c'est orange? Que c'est sale, là, qui est pas le chef? Non, ça commence à rouiller. Oui, qui est pas le chef? OK, la section 2. Y a personne qui a fait de God Drill hier. Il n'y a personne qui a travaillé sur son arme conformément à ce qu'on devrait faire. Il n'y a personne qui a appris son numéro de matricule de son arme, sauf le soldat pas de vin. C'est ça que vous appelez une chambrée mature, majeure et vaccinée avec votre expérience? C'est un assis d'aveille. Ça marche pas, l'inspection. Section 2! Vous avez exactement 4 minutes! Toutes les armes sont montées, vous les avez au port-arme. Go!
Non, je suis pas satisfait de ma section ce matin pour l'inspection. Il y a eu, évidemment, comme un jour 1 sur un PP1, là, un relâchement flagrant. Tout de suite après la marche avec l'adjoint, là, se sont assis sur leur laurier. Ils se sont pendus avec la corde qu'on leur avait donnée, c'est tout. À 8h15, 8h20, je vous ai lâché après la marche, pour vous a montré un layout. Je me disais, ils vont travailler là-dessus, on du temps. J'étonnerai pas. Ça a l'air que vous crissez de moi, vous crissez de vos staffs. Pas de trouble avec ça. Ça me dérange pas. Ça veut dire que vous êtes certainement pas prêt à faire la job quand on va vous mettre sur un chiffre de garde un jour. Hey, le boss est parti, on va arrêter de regarder en avant. Puis vos chums vont crever à cause de vous autres parce que vous faisiez pas votre job. Vous avez le goût de relaxer en soir? Je pense qu'on va relaxer encore à matin un peu. Fait que vous allez regarder ici. On va adopter ce matin la position détente. Comme ceci, tout le monde la voit. Let's go! Moi, j'aime ça starter ça relax. Ça fait toujours du bien. Ah oui, forcez les cuisses. 90 degrés dans les jambes. Puis, avez-vous le goût de relaxer encore? Tout le monde debout! Lève-toi, aidez votre chum à se lever. Let's go. Je vous dis, les gars, challengez-nous pas. Vous n'aurez pas de fun avec ça au bout de la ligne. Vous n'aurez pas de fun. Il n'y a pas personne qui vous a obligé à venir dans l'infanterie, OK? Vous avez signé en bas de la feuille, puis vous avez levé la main pour être volontaire. À cette heure, agissez en conséquence. Plus le cours y avance, plus vous allez en apprendre. Plus vous allez en apprendre, plus on va s'en attendre de vous. Tu compris? Oui, Roger! Sur 10, là, j'en avais au moins 8 qui étaient déjà dépassés par les événements. Mais j'étais quand même surpris d'en avoir 2 qui semblaient être capables de tenir le coup. Yo! Show you nobody is unbroken.